Est-ce que sur Télécongo Pointe Noire, madame, monsieur, bonsoir. La situation de crise qui affecte tous les États du monde, y compris les plus puissants, ne détourne pas la volonté des décideurs politiques, des grands donneurs d'ordre économique et les chefs d'entreprise à se maintenir. Au plan économique, les défis à relever pour juguler cette crise sont nombreux. Défis de formation, défis de performance et de compétitivité, défis de l'innovation et de créativité. Madame, monsieur, la liste n'est pas exhaustive. Pour tout dire, le cas de la société de Network est le mieux choisi pour justement vous permettre de connaître comment les entreprises vivent-elles cette crise tout en tenant tête à ces défis qui s'imposent à elles. Madame, monsieur, c'est donc le directeur gérant de la société de Network que nous recevons dans ce numéro de Est-ce que, monsieur Deschagrins Hébé, bonsoir. Eh bien, merci d'avoir répondu à l'invitation sur le plateau de Est-ce que. Et rapidement, avant de commencer, monsieur le DG, nos fidèles téléspectateurs ont hâte de bien connaître qui vous êtes avant de nous parler, et bien évidemment, de votre société de Network. Bon, déjà, je vous remercie, en tout cas. Ça va faire la deuxième fois que je passe dans votre émission, hein, en deux ans. Vous l'appréciez déjà. Donc, j'apprécie beaucoup les téléspectateurs d'ailleurs aussi. Donc, je suis M. Deschagrins Hébé, 35 ans, père de trois enfants, marié... résident au Congo-Brazzaville, comme vous le savez. Et je suis le directeur gérant de la société des Network. Des Network qui est une société qui évolue dans le domaine d'éthique, d'accord, donc des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et, on arrivera à la société justement, monsieur Hébé. Si vous voulez bien nous parler de vous-même, un directeur gérant tout jeune à la tête d'une entreprise spécialisée dans la veille technologique, c'est pas facile apparemment. Oui, c'est pas facile, mais on tient le coup. Je me suis mis à mon compte il y a 9 ans déjà, parce que ça fait depuis 2007 que des Network est né. Et puis on a lutté jusqu'ici, on a mis les infrastructures qu'il faut. Après, on est toujours en train de se battre pour maintenir l'activité dans un monde compétitif. Dans un monde compétitif, je l'ai annoncé. Et qu'est-ce qui justifie comme ça votre choix dans ce domaine des technologies, de l'information et de la communication? Alors, ce qui justifie mon choix, c'est clair que c'est le choix de la plupart des entrepreneurs locaux d'ailleurs, dans le sens où généralement on évolue dans le secteur de sa formation. Moi, je suis ingénieur informaticien de formation et évidemment, je me suis perfectionné et j'ai réussi à atteindre une autonomie technique qui me permette de gérer... Aujourd'hui, de gérer une structure. Et vous êtes vous-même le fruit d'un tas de formations dans votre domaine de prédilection. Exactement. On est toujours en train de suivre des formations, tant pour moi personnellement dans le domaine technique que pour mon personnel dans les domaines variés. Et comme je suis également le directeur technique de la configuration du network, évidemment, des formations techniques suivent, accompagnées des celles du management de l'entreprise et autres. Et parlant des formations du management, la toute dernière à laquelle vous avez pris part active, c'est celle du parcours de l'entrepreneur organisé par la Chambre consulaire de Pointe-Noire dans le cadre de son compagnonnage avec la Chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire. Vous pouvez nous dire ce qui a été... Alors, je fais partie de la première promotion. Bah, évidemment, je saute toujours sur les formations lorsque j'ai une occasion. Et lorsque j'ai entendu parler de la formation le parcours de l'entrepreneur, je n'ai pas hésité à m'inscrire immédiatement, ce qui fait qu'on fait partie de la première promotion.
Cette formation est très, très bénéfique, je la conseille. J'espère qu'il y aura des prochaines éditions, d'accord, pour que la plupart des chefs d'entreprise s'inscrivent. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est que la plupart des chefs d'entreprise sont des techniciens à la base qui ont eu le courage de monter leur activité. Ben, la formation technique est très différente de celle de la gestion d'entreprise en tant que telle. Et le parcours de l'entrepreneur a été un condensé de formation, en tout cas. D'enseignement dans le management. Dans le management des entreprises, de l'entreprise en général. Et ça vous a vraiment aidé, hein? Énormément, ça m'a énormément aidé parce que, comme vous le savez, il est très difficile. Aujourd'hui, le défi des PME, comme je l'ai dit, c'est la formation. Nous n'arrêtons pas de nous plaindre de la difficulté à avoir de la ressource humaine qualifiée. Cette ressource humaine qualifiée, elle ne concerne pas que la partie employée, il y a également la partie dirigeant d'entreprise. Et je crois que c'est des formations à recommander et que tout le monde devrait suivre d'ailleurs. Alors, Monsieur le DG, après votre présentation à nos fidèles téléspectateurs, nous avons dit dès l'entame de cette émission que la crise qui affecte tous les États au monde et même les plus puissants avait des conséquences lourdes et sur les économies. Et ce sont presque toutes les entreprises qui ont vu comme ça leur activité en régression. Et apparemment aussi, votre dynamisme à la tête de cette entreprise spécialisée dans la veille technologique vous a rendu célèbre en cette période difficile. Alors, comment vous employez-vous à maintenir l'équilibre au sein de The Network? Alors, comme je disais tantôt, que cette période a été une période mise à l'épreuve pour les entreprises locales surtout, parce que vous savez que beaucoup ont déposé des bilans, beaucoup ont licencié des effectifs. Ben, nous comptons, comme je vous dis, on est sur un plan d'exploitation de 5 ans. En début de l'année 2017, on a pris des mesures qui nous ont conduit en mi-2017 à demander une mise en congé technique d'une partie de nos effectifs. Mise en congé, demande qui a été accordée par la direction départementale. Évidemment, on a observé une période de chômage économique de 3 mois. Et pendant cette période, les équipes ont travaillé en rotation. Et cette période a également permis pour notre entreprise de savoir la fiabilité des employés qu'on avait. Parce que pendant cette période, il y a des employés qui nous ont quittés parce que c'était difficile. On dit finalement que c'est dans les moments difficiles qu'on connaît les bons amis. Voilà. Il y en a qui n'ont pas tenu le coup. Et au bout de 3 mois, on a réussi à remonter la pente. On a réintégré les personnes qui étaient en rotation. Et nous exploitons également, ça c'est quelque chose de très important, parce que vous savez que l'État, le gouvernement a mis en place un programme à coût partagé de formation des jeunes diplômés, le PED, en collaboration avec le NEMO. Nous exploitons énormément ces programmes. C'est un programme qui permet aux entreprises de maintenir les effectifs avec moins d'investissement. Parce que ce programme, il a coût partagé, l'État paye une partie, vous payez également une partie. C'est des programmes établis sur un an. Donc voilà, donc vous recrutez du personnel à travers le NEMO et vous faites signer des contrats. Est-ce qu'on peut dire que ça a été une des mesures prises pour essayer de juguler cette période? Oui, ça a été une des mesures prises dans le maintien des effectifs et de la qualité de service aussi. Cette mesure nous a permis d'avoir des personnes en préparation d'intégration. Parce que lorsque vous travaillez avec des personnes pendant une année, c'est clair qu'au bout d'une année, ils maîtrisent votre entreprise. Comme ils participent aux formations, ils sont forcément éligibles à être autosuffisants. Vous pouvez les intégrer au sein de... Voilà. Donc cette mesure a été très importante à souligner. Et une mesure quand même qui a dû choquer parce qu'on a vu quelques départs, comme vous l'avez dit, mais qui a donné encore de l'espoir parce que The Network a eu un secret à pouvoir surmonter la période. L'un des plus grands enjeux, en tout cas des plus grandes difficultés qu'il y a lorsque vous êtes à votre propre compte, c'est communiquer la vision. Ce n'est pas toujours facile. Vous avez la vision, la communiquer à vos collaborateurs, ce n'est pas toujours évident. Ben, il faut garder les caps, vous savez où vous allez. Si vous avez des équipes qui comprennent la vision, évidemment, vous travaillez avec, mais ceux qui ne comprennent pas, forcément, ça reste en route. Ça reste en route. Et comme qui dirait, cette situation de crise n'est pas que mauvaise. The Network a exploité le bon côté de la crise. On ne s'est pas plaint jusqu'ici. Aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où on n'a pas été en mesure de payer nos salaires. Non, ce n'est pas arrivé une seule fois. Pourquoi? Parce que cette crise, elle est là depuis 2 ans.
Nous l'avons anticipé en fait. D'accord ? De la même manière que nous anticipons l'information, c'est comme ça qu'on a anticipé la crise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette crise, elle a été très favorable pour nous. Et c'est que nous avons appris pendant cette période de crise, il n'y aura pas un autre moment pendant lequel nous pourrons apprendre ces gens de leçons. Ah bon, tant plus que de nos jours, on dit que nos sociétés sont devenues essentiellement communicatives, et cela vous concerne directement, vous qui êtes dans ce domaine d'éthique. Alors, oui. Monsieur DG, vous avez finalement une vision dans votre entreprise et des engagements pour assurer le développement de celle-ci. Est-ce qu'on peut savoir vos engagements? Je reviens sur le défi toujours parce que je sais que c'est très difficile d'être à son compte, d'accord? Parce que lorsque vous êtes à votre compte, vous êtes tenté par la gabegie de la gestion de l'entreprise. On arrive parfois à comprendre, à confondre vos biens à vous et le bien de l'entreprise. Donc c'est toujours un défi pour celui qui est à son compte de se battre pour maintenir cette différence-là entre le patrimoine de l'entreprise et celui qui est le vôtre. Et surtout, cette volonté de s'investir dans la formation. Comme je n'arrête pas de le dire, c'est que la formation concerne tout le monde. De la même manière qu'on forme nos techniciens, les chefs d'entreprise devaient se former également. Nous, au cours de cette année, moi personnellement, j'ai suivi plusieurs formations, parmi lesquelles le parcours de l'entrepreneur. Ben, ça, c'est une formation management. Il y a eu une partie des formations techniques. Mm-hmm. On a eu des formations pour notre administration. Ça veut dire que le service administration a reçu une formation qu'on a mis en place encore avec la Chambre de commerce de Pointe-Noire en partenariat avec les experts venus de l'extérieur. Mm-hmm. Une formation des assistantes de direction polyvalente. D'accord. Cette formation, elle a vu le jour au bon moment parce que pendant cette crise, beaucoup d'entreprises ont réduit des effectifs. Et évidemment, on s'attend aujourd'hui à la polyvalence des gens qu'on recrute. Et on a vu. Il faut avoir la qualité. Il faut avoir la qualité. Et cette qualité, vous avez deux options. Soit vous formez le personnel actif pour les pérenniser dans l'entreprise, ou vous partez sur de nouvelles bases dans le risque de toujours pas recruter la bonne ressource ce qui va peser sur l'entreprise, évidemment. Et parlons justement de celle dont vous avez déroulé au sein de l'entreprise. Comment elle se déroule, d'autant plus qu'on sait que vous êtes vous-même ingénieur Microsoft, donc un produit de l'expérience des pharmaciens. Alors, comme vous le savez, Microsoft occupe une grande partie du marché. En tout cas, la plupart des ordinateurs que vous avez utilisent des systèmes Microsoft. Et nous intervenons généralement sur ces systèmes également. Et ces systèmes, comme le domaine de la veille technologique, évoluent très vite. Et Microsoft n'a pas arrêté d'évoluer son système. Et chaque fois qu'il y a évolution, il faudrait une formation de mise à niveau pour ceux qui sont même déjà certifiés. Moi, je prends un exemple. Moi, je suis certifié sur 2008. Mais là, je dois mettre à jour ma certification vers 2012. Donc, ça a été l'occasion pour moi de faire cette formation avec mes effectifs. En termes de... Vous êtes devenu formateur. Vous formateur, moi-même aussi, voilà. Et ils sont combien, vos employés? Ils sont 15 à suivre cette formation. Dans les 15, on a deux employés externes parce qu'on a réussi à intéresser certaines entreprises dans la place qui ont inscrit leurs administrateurs système dans le cursus de formation. Alors, il y a eu un grand investissement en termes d'acquisition matérielle parce qu'il fallait mettre en place l'infrastructure laboratoire, acheter des kits de formation, des licences pour des formations et autres. Donc, voilà. Et ça, c'est le côté logistique qui est exigé à l'entreprise de faire face justement pour tenir cette formation. Oui, le côté logistique, mais je voulais dire aussi qu'avant cette formation, vous savez qu'on a eu à faire une formation de 3 mois de mise à niveau en anglais pour l'ensemble des effectifs. Et cette formation a été post la formation que nous suivons actuellement, parce que l'anglais est très important dans le domaine de l'informatique. Qu'on ne puisse pas parler couramment, mais le minimum, c'est qu'on soit en mesure de lire. Et comme vous savez, avec notre filiale des Émirats Arabes Unis, là-bas, c'est un pays anglophone, et il est important que nos techniciens atteignent un certain niveau de compétitivité. Et on en arrivera à parler de vos partenaires, puisque D-Network a une visibilité orientée vers l'extérieur, et le nombre d'employés qui bénéficient, le sait déjà, et la durée, c'est une formation
en continu, séquentiel, et comment il se délimite dans le temps? Il y a quatre formations en un, d'accord? L'objectif, c'est la certification pour aboutir au diplôme qu'on appelle Microsoft Certified System Engineer, donc ingénieur certifié de système Microsoft. Et ça fait quatre formations, chacune des formations nécessitant 5 mois de formation. Donc là, cette formation, on l'a débutée en 2017. Là, c'est sa première promotion. Le problème, ce qu'il y a, c'est que c'est une formation continue. Ça veut dire que celle qui passe cette promotion, quand elle a réussi, elle passe à l'étape suivante. D'accord ? Il y a 4 examens comme ça à passer et elle va s'étendre jusqu'en fin d'année 2019. Et M. DG, nous avons parlé de la formation. On va marquer une pause pour voir comment celle-ci s'est déroulée et avec vos employés qui ont été comme ça choisis, hein, selon la politique de l'entreprise. Et donc, on va devoir suivre cet élément sur la formation qui se déroule au sein de Network. La formation à The Network, non seulement qu'elle a un prix estimé à 15 millions de francs CFA, mais elle est fondamentale pour une entreprise qui se veut d'être plus performante et compétitive sur son parcours de développement. Alors, c'est une formation de certification au cursus d'ingénierie des systèmes Microsoft. Donc, ils vont passer la certification MCSI sur la version 2012 du système d'exploitation Windows 2012 Server. Évidemment, elle est destinée aux administrateurs systèmes en charge de gérer le système informatique, en tout cas des organisations. Comme vous le savez, The Network est une société de veille technologique et la veille technologique voudrait qu'on soit toujours en mesure de suivre l'évolution du marché. The Network est partenaire Microsoft et évidemment, il est de notre devoir de maîtriser les produits pour lesquels nous sommes les représentants locaux. Et évidemment, il est important également que l'ensemble des équipe de The Network se synchronise en termes de moyens de formation, en termes de moyens de communication. Vous savez que notre métier évolue très rapidement et que l'informatique que nous faisons aujourd'hui ne sera plus la même demain. Et il est important que, évidemment, que les entreprises comme la nôtre se préparent à affronter ce lendemain. L'idée pour son directeur gérant lui-même ingénieur Microsoft, c'est de préparer ses techniciens agent de production à la certification en technologie Microsoft. D'autant plus que l'entreprise spécialisée dans la veille technologique dispose d'une filiale aux Émirats Arabes Unis. Nous avons une filiale aux Émirats Arabes Unis, comme vous savez, c'est un pays anglophone. Et évidemment, cette filiale, c'est la filiale des Network. Les gens qui travaillent ici du jour au lendemain peuvent se retrouver aux Émirats pour des besoins de services. Et vous savez, l'anglais et l'informatique sont très liés. Les codes informatiques sont écrits en anglais, même si les formations sont quelquefois dispensées en français. Donc l'anglais est incontournable. C'est pour cette raison qu'il y a eu une formation de 3 mois de préparation en anglais. Et cette formation, elle a concerné l'ensemble des effectifs de l'organisation. Aujourd'hui, elle nous rattrape parce que ça fait partie des prérequis pour cette formation de certification qui va durer une année. Ils sont 12 apprenants inscrits à cette formation, dont 3 stagiaires et 8 employés, tous agents de maîtrise qui apprécient d'ailleurs cette offre de formation et saluent l'engagement de la direction. C'est une formation qui certifie en fait nos compétences en ce qui concerne les solutions Microsoft. J'ai beaucoup avancé pour ce qui est de mon métier, en fait. Le bénéfice, c'est déjà la compétence. Mais comme est intitulée la formation, c'est une certification. Donc, ça permet de valider nos compétences en ce qui concerne les solutions Microsoft. Et Microsoft, c'est le leader mondial en ce qui concerne les solutions informatiques. Donc, en faisant cette formation, on devient plus compétent. C'est une joie de participer à une formation comme ça. Mais en fait, la société a prévu ça il y a 5 ans parce que je suis là déjà il y a 4 ans. Donc, c'est à chaque année, en fait, on nous met à niveau parce que nous sommes une société de veille technologique. L'informatique évolue tellement trop vite à tel point qu'on ne veut pas passer beaucoup des années sans faire une formation. Du coup, on sera peut-être dépassé, obsolète, quoi. Donc, pour éviter ça, la société organise de temps à autre des formations comme ça. En fait, ça fait
de nous, des techniciens vraiment à la veille technologique, en fait. Mmh. Et la société bénéficie, en fait, nous bénéficions et nos partenaires aussi bénéficient de notre expérience acquise pendant les formations. Après, la certification, c'est nous qui sommes certifiés. Mmh. Lui, il bénéficie quand même de nos services, mais nous sommes quand même certifiés. Mmh. Donc, Microsoft reconnaît Chalor Mankololo, il ne reconnaît pas des networks. Ah. Ça c'est clair, donc moi ce que je pourrais faire, je peux que remercier la société et la direction. Oui. Une offre financée sur fonds propres de l'entreprise, ceci en pleine période de crise. Cette crise, il y a 5 ans, elle n'était pas, d'accord, on a commencé à la rencontrer il y a quelques années. Elle a certainement affecté l'entreprise, mais elle n'a pas affecté les objectifs de l'entreprise. C'est pour cette raison que nous continuons à nous former, parce que nous savons que la crise est passagère, et si nous voulons continuer à rester compétitifs, on a le choix d'investir soit dans autre chose, ou encore de choisir la voie de la formation, qui est en fait un levier essentiel pour la pérennité de notre entreprise. Là, nous sommes partis pour une formation. C'est vrai qu'on a, ça fait 5 ans, on a un plan de formation sur 5 ans qui va s'achever l'année prochaine. Ben, cette formation, c'est une formation qui nous coûte 15 millions de CFA, financée avec un autre budget de formation. Évidemment, si nous voulons rester compétitifs, il faudrait qu'on soit en mesure d'épargner un peu de ce que nous gagnons comme argent et investir dans la formation pour continuer à garantir la pérennité de nos compétences. Cette formation inaugure une série de bien d'autres formations qui s'étalent sur une durée de 5 ans. Alors, monsieur le DG, on revient en débat avec vous sur ce plateau. Est-ce que nos fidèles téléspectateurs et vous-même avez suivi la formation telle qu'elle est déroulée? C'est dans l'une des salles de Network. C'est une salle spécialisée pour les formations. Alors, c'est la salle de réunion de D-Network qui sert également de salle de formation. On en a deux comme ça, de salle de formation, ce qui fait qu'on a mis à tenir deux formations simultanées. Comme vous avez vu, on a ménagé les conditions qu'il faut. On a mis des gens à l'aise avec les infrastructures de travail nécessaires, le matériel, mm-hmm. en termes d'ordinateur, en termes de support de cours, en termes d'ergonomie de la salle. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire qu'à D-Network, il y a tout ce qu'il faut pour que les gens soient formés et qu'ils travaillent au même moment. On n'a pas à se déplacer. Hein. Oui, on a tout ce qu'il faut. Et puis, je vous rappelle que D-Network fait également des formations. Aujourd'hui, nous, on a les volets formation qui sont des formations bureautiques de gestion commerciale. Mm-hmm. Alors là, depuis l'année passée, on a intégré la version formation assistant de direction polyvalente. Mm-hmm. Ce sont des formations qui sont déroulées chez nous à D-Network. Alors, on a toute la logistique qu'il faut, les bus pour transporter les personnes, les salles comme vous avez remarqué. Et vous recevez aussi la demande de l'extérieur qui a besoin d'être formée. On reçoit la demande d'extérieur. Il y a des clients qui souhaitent être formés chez eux lorsqu'ils ont l'infrastructure. À défaut, ils sont déportés chez nous, dans nos locaux. Monsieur le DG, on a assez longuement parlé quand même de la formation. Autre défi à relever au sein de D-Network, c'est le défi de la performance parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le monde est en pleine compétition. Vous n'êtes pas la seule entreprise spécialisée dans ce domaine. Êtes-vous tenu à l'exigence, au service de qualité auprès de votre client? Alors, ce que je vais noter déjà par là, c'est que cela fait 2 ans que D-Network s'est initié dans une démarche qualité visant la certification ISO 27001. La certification ISO 27001 qui est une certification orientée sécurité des systèmes d'information. Donc là, on a mis en place le système de management en place de management de la qualité basé sur la norme ISO 9001 qui tient jusqu'ici, qu'on réussit à alimenter malgré les circonstances. Et ces normes sont les prérequis qui nous permettent aujourd'hui de garantir un service de qualité à nos différents clients et partenaires externes. C'est-à-dire que la performance est la règle ici à D-Network. Alors, il y a aussi que nous savons qu'aujourd'hui, les initiatives de développement, monsieur le DG, sont orientées dans les secteurs hors pétrole. Et quand on sait que déjà les leçons à tirer de notre économie qui est restée basée que sur les ressources pétrolières, nous donne les enseignements. Alors, quelle appréciation vous faites-vous du secteur d'activité qui est le vôtre dans
la politique de diversification de l'économie telle que voulue par notre gouvernement. Alors, ce qu'il faudrait noter, c'est que les entreprises comme les nôtres sont en train d'évoluer, comme je vous ai dit, hein, cette évolution est conditionnée toujours par la formation. L'arrivée de la fibre optique a vraiment permis à notre pays d'aller de l'avant, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet, tout le monde a accès à la nouvelle technologie assez facilement. Il y a des choses qui seront dépassées. Et d'autres qui arriveront. Aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de se migrer vers l'e-commerce, l'e-commerce qui est ce commerce électronique qui n'est pas encore réglementé chez nous, d'accord. Mais ailleurs, ça prend déjà de l'ampleur. Ailleurs, ça prend déjà de l'ampleur et je suis sûr que nos autorités sont déjà en train de réfléchir à comment réglementer le marché de l'e-commerce. Il y a également de l'e-training, l'e-formation, les formations à distance. Ce sont des domaines qui vont également évoluer. Ça, il y a également il y a pas mal de domaines autour de ça, ça veut dire que le secteur d'activité qui est le vôtre, c'est un secteur en plein essor qui peut comme ça se lancer en compétition avec les autres secteurs appelés à faire asseoir le développement chez nous. Il y a aujourd'hui des projets de data center en République du Congo, ce que nous n'avions pas avant. Hier encore, il fallait héberger ces infrastructures ailleurs, mais là j'étais à une conférence récemment, j'ai appris qu'il y avait des lancements prévus pour certains, pour 2018. Et donc, surtout avec la couverture en fibre optique. Comme avec la couverture en fibre optique, que nous attendons la couverture nationale, parce que ce qui se passe aujourd'hui avec la fibre optique, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas encore nombreux à bénéficier de Mais je tiens à vous informer, c'est aussi l'occasion, nous on fait l'information, c'est très récemment que le ministre des Postes et des Télécommunications électroniques a procédé en été dans la partie sud du pays, entre le point de jonction de la fibre optique qui nous lie le Congo au Gabon. Ça a été inauguré récemment par notre ministre. Donc... Oui, j'ai suivi avec attention l'inauguration faite par le ministre, mais ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que cette fibre optique-là bénéficie, arrive au domicile même des utilisateurs. On a encore des sérieux problèmes de déploiement. Moi, je prends un exemple. Nous sommes en Goyo ici. Le besoin Internet pour une entreprise comme D-Network est énorme. Mais aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'avoir de la fibre optique jusqu'ici. Vous comprenez? Ça veut dire que ça peut encore se développer. Ça peut encore devenir moins cher pour le consommateur actuel. Aujourd'hui, on va encore considérer que l'Internet est encore cher. C'est encore cherché. Voilà. Et parlons justement de... du bénéfice hein, de votre entreprise auprès de vos clients. Vous, avez-vous affaire aux entreprises, aux particuliers, ou bien vous arrivez jusque dans les ménages pour justement aider les gens à avoir vos services qui sont des services de qualité? Alors, jusqu'ici, la plus grande partie de nos clients sont les entreprises parce qu'ils ont des moyens pour payer et puis ce sont des services professionnels qui ne sont pas forcément à la portée de le ménage, de monsieur tout le monde. La partie qui intéresse les particuliers jusqu'ici, ce sont les formations parce qu'on fait pas mal de formations bureautiques en interne, ouvertes au public, à des tarifs réduits. Ça, ils en profitent. Ce que je voulais souligner en passant aussi par là, c'est que l'arrivée de la fibre optique, par exemple, pour nous, nous a permis de développer le service de la télémaintenance. La télémaintenance, nous sommes en Goyo, vous savez que c'est très éloigné quand même hein, par rapport à l'ensemble de nos clients du centre-ville. Ben, depuis qu'on a une connexion mieux que ce qu'on avait hier, on est aujourd'hui en mesure de faire de l'intervention à distance. Depuis le siège de l'entreprise, il y a une entreprise qui demande des services, et vous intervenez. Et on intervient à distance, on a un portail de support en ligne, tout se passe en ligne, la facturation, on économise assez, on économise énormément parce que on va de moins en moins chez les clients puisqu'on est en mesure d'intervenir sur sa machine à distance. On va l'envoyer une facture par Internet, il va procéder au règlement de la facture par un virement bancaire. On économise tous. Il y a vraiment des avantages encore à exploiter dans le monde qui est le nôtre. Qui est le vôtre. Alors, monsieur le DG, une parenthèse, excusez-moi, ce ne serait pas un dérangement. D-Network est une entreprise jeune.
tenue par un directeur gérant tout aussi jeune. Et je dirais même que c'est une entreprise modeste qui a accepté d'installer son siège social aussi loin de la ville. On sait que toutes les activités économiques, un peu les affaires, le business, c'est au cœur de la ville. Est-ce que cela vous permet de vous déployer aussi le plus vite possible que le demandent vos clients, étant donné que vous êtes, on dirait, un peu en dehors de la ville? Alors, ça a été un pari pour nous à la mise en place, d'accord. Nous, quand on s'est installé en Goyo, il n'y avait presque personne ici. C'était un défi. On dit qu'il fallait décentraliser. La décentralisation, c'est aussi ça. Goyo fait partie des Pointes-Noires. On ne comprend pas pourquoi toute l'activité économique doit être concentrée autour du centre-ville qui devient de plus en plus cher et encombré. Nous avons des moyens logistiques qui nous permettent d'intervenir chez les clients assez rapidement. Et avec l'arrivée de la fibre optique, comme j'ai su vous le dire tout à l'heure, que les interventions chez les clients sont de plus en plus réduites, dans le sens où on peut vraiment intervenir à distance. On va chez les clients si le problème ne peut être résolu à distance et qu'il faut vraiment faire le déplacement. Mais ça ne pose pas problème en tant que tel à nos clients, parce qu'on arrive à conserver nos clients et à les satisfaire malgré la distance. Aujourd'hui, on a mis des conditions. Goyo s'est beaucoup amélioré, hein. Il y a eu beaucoup d'améliorations ici en termes de circulation, en termes de la qualité de l'électricité. Et je vois depuis que tout autour, il y a des entreprises qui s'installent. Aussi. C'est encouragé. Peut-être que vous avez été le guide en donnant la voix aux autres de venir. Ben, en tout cas, ils se sont rendus compte que ça marchait, on pouvait être en Goyo et travailler. Et depuis là, les gens s'installent. Et là, on est impatients de voir cette voie, là, le projet de construction de la route qui quitte l'aéroport pour le péage, se réaliser. Ça va permettre de desservir le quartier. Alors, Monsieur DG, nous allons lentement vers la fin de cet entretien. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs, c'est le directeur gérant de la société de Network, une société sur la place de Pointe-Noire spécialisée dans la veille technologique. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, Monsieur DG, malgré la situation difficile, le Congo reste attractif aux investisseurs étrangers. Et avez-vous déjà gagné comme ça les partenariats hors de nos frontières? Alors, comme je vous le disais tout au début de la formation, que cette crise, elle est mondiale. Elle ne concerne pas que le Congo. Et il y a un côté positif à tirer. Il faut regarder la chose du bon côté également. The Network a participé aux différents événements ici, notamment l'Isanga, qui s'est tenu, organisé par la Chambre de commerce. Au cours de cette édition, nous avons établi des relations très prometteuses avec certains partenaires. Je rappelle aussi que The Network est partenaire Microsoft. C'est même dans cette optique-là que nous bénéficions des tarifs réduits en termes de formation et de l'exigence de former notre personnel. Évidemment, le Congo reste attractif. Vous voyez que le volet agriculture s'est vraiment développé, parce que cette fin d'année, je crois qu'on n'a pas manqué de légumes, de produits frais. Et ça commence à venir. Ça commence à venir. Le mot d'ordre du chef de l'État a eu du répondant. Voilà. Et puis, The Network, avec sa filiale des Émirats Arabes Unis, comme vous savez, est en train d'élaborer beaucoup de projets. Ah, vous en avez une? Ah oui, nous avons une filiale aux Émirats Arabes Unis, à Ajman précisément. Mm-hmm. Et cette filiale existe depuis 3 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en train de développer des projets avec des partenaires là-bas. On a déjà fait 2 visites ici de prospection pour voir dans quel cadre, quel était l'environnement économique, l'étude du terrain, pour voir comment ça pouvait s'y réaliser. Et aujourd'hui, nous avons également un projet avec Toteca International. Alors, je rappelle que Toteca International est la filiale des networks des Émirats Arabes Unis. Hein. Ah, okay. Voilà. Donc, Toteca International est en train de mettre également un grand projet avec les agriculteurs de la place pour trouver les moyens de standardiser, de commercialiser et de promouvoir, faciliter leur travail. On sait qu'aujourd'hui, il y a le e-commerce, on voit comment Alibaba est en train de battre le record hors de nos frontières. Voilà, c'est dans cette optique-là. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a beaucoup de projets de création d'emplois. C'est pour cette raison qu'il faudrait maintenir la paix, parce que c'est la condition. Hein. Les gens veulent venir, il faudrait que les Congolais comprennent que tous les projets qu'on va mener
sont conditionnés par la stabilité. La stabilité, maintenir la paix, monsieur le DG, ce que vous énoncez comme performance au sein de D-Network dénote de ce que l'amélioration du climat et des affaires, ça a été hier la pompe de discorde entre les entreprises et puis les décideurs politiques. Ça veut dire que ça se passe un peu bien cette fois-ci. On pense que ça se passe bien. Nous comprenons les difficultés actuelles du gouvernement. Vous savez, lorsque vous avez une entreprise à gérer, vous confinez mieux, vous comprenez différemment les problématiques du gouvernement. Commencez par gérer une petite entreprise pour vous rendre compte des difficultés qu'il y a et mettez-vous à l'échelle d'un pays pour vous rendre compte que ce n'est pas facile de gérer les hommes. Même avec beaucoup de volonté, ce n'est pas toujours suffisant. Oui, il y a eu des mesures qui ont été prises depuis le 2017. D-Network fait partie du club des entreprises de Pointe-Noire. Mm-hmm. D'accord ? Le club des entreprises de Pointe-Noire, dont je suis le chargé de la communication, est un hub pour les entreprises exerçant à Pointe-Noire, d'accord ? Dans le but de faciliter les échanges entre entreprises, de mettre en conformité les entreprises, de celles qui peinent à se démarquer un peu. Celles qui peinent à se démarquer. Et puis, on a fait des études. Comment sommes-nous arrivés au parcours de l'entrepreneur? Il y a eu vraiment des études sur la place pour se rendre compte que les entrepreneurs congolais avaient besoin de se former. Ils avaient réellement besoin de se former parce qu'on parle de la ressource employée, mais on se rend compte que les entrepreneurs également doivent se former. C'est dans ce cadre que le club des entreprises de Pointe-Noire a réuni un certain nombre d'entreprises. Aujourd'hui, il lance également un appel à ceux qui ne connaissent pas le club des entreprises de Pointe-Noire de se rapprocher de la chambre de commerce et d'adhérer au club parce qu'il y a beaucoup d'avantages à s'unir, à gagner autour de ce club mis en place il y a 2 ans. C'est un club qui permet aujourd'hui la visibilité. La visibilité des entreprises locales. Pour l'instant, on se concentre sur Pointe-Noire. C'est pourquoi on dit CEPN, Club des entreprises de Pointe-Noire. La visibilité des entreprises de Pointe-Noire, vous savez qu'on a organisé une journée porte ouverte l'année passée, journée pendant laquelle les entreprises locales ont été amenées à exposer leurs compétences. Et plusieurs donneurs d'ordre ont pris part à cette journée. On se rend compte qu'il y a du savoir-faire non exploité. Ce que je voulais lancer également, c'est un message à l'égard du gouvernement. Là, vous avez le message du président de la République. On va en venir, je voulais en arriver là. Ah. Et on abordait d'abord l'autre engagement concernant l'innovation et la créativité. Quand vous nous avez fait état de la création du club des entreprises de Pointe-Noire, une initiative en tout cas à encourager, parce que là vous avez notifié ce qu'elle a su donner comme avantage déjà à ces entreprises qui hier on connaissait peut-être pas sur la place de Pointe-Noire. Alors parlons du message du chef de l'État. Nous savons que c'était un message sur l'état de la nation et la situation économique du pays a été présentée avec beaucoup de courage parce que c'est aussi du devoir du président de la République de le dire aux Congolaises et Congolais. Ce n'est un secret pour personne. Et quelle lecture vous avez fait justement de ce message? Mais la lecture, c'est que comme a su le dire le président, je pense que ce n'est nouveau pour personne. D'accord, c'est juste qu'à un moment, on s'est refusé de dire, mais non, on en face de la réalité. Ce qu'il faut noter, c'est que le pays appartient à tous les Congolais. D'accord, et c'est du ressort de... on ne peut pas s'attendre qu'une seule personne change ce pays. Chacun de nous a une contribution à mener et cette contribution ne consiste pas juste à dire du mal de son propre pays dans les médias, à critiquer les médias, il faudrait que chacun fasse des efforts. Vous savez que pendant cette période difficile, on parle de la crise, mais il y a des entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à avant. Ça veut dire que aux années antérieures, ça veut dire que la crise dont on parle, elle a vraiment un côté positif à tirer. Ce que je voulais dire aussi, c'est un message en tout cas à l'endroit du gouvernement, c'est que il faudrait que le gouvernement se rende compte qu'il y a des compétences locales. Il y a des compétences locales. Nous avons eu beaucoup de marchés ici, beaucoup de travaux de municipalisation. Mais nous, entreprises locales, ont souvent été délaissées. On comprend les contraintes, on comprend pourquoi, parce que travailler avec l'État, c'est souvent, il faut avoir de l'argent pour commencer, ainsi de suite. C'est des moyens qu'on n'a pas. Mais dans la démarche actuelle, où il faut vraiment que l'économie congolaise tourne autour de notre pays et que les fonds restent dans le pays, il faudrait que l'État prennent le temps de consulter les entreprises locales parce qu'il y a pas mal de choses dans les projets qui tendent la main aussi, voilà, à l'intérieur, parce qu'il y a pas mal de projets de la place qui peuvent être réalisés en local.
Parce que la compétence est là. La compétence est là. Et on sait qu'aujourd'hui, d'un point de vue économique, notre pays va rentrer en négociation avec le FMI. La question la plus difficile, même pour monsieur tout le monde, était celle-là. Et le président a soulagé les esprits en disant que nous ne sommes, ce n'est ni une banqueroute. Le Congo est attractif aux investisseurs et vous croyez en cela et vous êtes optimiste. Ben nous croyons, si nous ne croyons pas que le Congo est attractif, pourquoi on serait en train de s'investir dans les formations? Les formations que nous faisons aujourd'hui sont un investissement pour nous, pour l'avenir, parce que nous savons que demain sera meilleur. Et pour que demain soit meilleur, il faudrait que chacun de nous se prépare à être éligible à l'octroi de ce meilleur de l'endemain que le Congo va nous offrir. Comme qui dirait qu'il veut aller loin, mais ne s'aventure. Affirmative. Alors, monsieur le DG, nous espérons avoir fait le tour d'horizon des questions soumises à votre appréciation dans ce numéro. Est-ce que, et si vous avez comme ça un dernier mot à dire, sinon que je vais essayer de vous soumettre un petit exercice, de nous faire un résumé de tout ce que nous avons dit autour de The Network, tenant compte des défis arrivés, qui sont les défis de formation, défis de performance et de compétitivité, défis d'innovation et de créativité. Monsieur Deschagré-Élevé, à vous. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile la vie au quotidien. Vous savez, des gens meurent chaque jour. Chaque jour, là, on est avec vous sur le plateau. Demain matin, on ne sait pas ce qui va arriver. Si on a réussi à se réveiller demain, ça veut dire qu'on a eu beaucoup de chance. Pendant cette période, vous savez, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont déposé les bilans, d'accord. Le fait que nous soyons encore là, en train d'exercer, à tenir tête avec beaucoup d'espoir et continuer à travailler comme si la situation n'était pas difficile, est le signe que notre entreprise a une longévité, en tout cas. Parce que ça a été une épreuve pour nous. Ça fait pas facile. Bon, on a réussi à passer les caps. Donc, ce qu'il faudrait dire, c'est que 2017 a été une année difficile. 2018, on n'a pas dit que ça serait une année facile. On espère que ça sera meilleur. Parce c'est que l'année des objectifs essentiels. Des objectifs essentiels qu'il ne faudrait pas oublier. Et ces objectifs-là ne peuvent pas être atteints si chacun ne met pas un peu de l'eau dans son vin, si chacun n'emboîte pas le pied dans la démarche de la concrétisation des objectifs fixés. Et monsieur le DG, peut-être l'occasion aussi pour vous de présenter les vœux les meilleurs à vos employés et à vos fidèles téléspectateurs qui apprécient bien ESCRI. Alors, je vous remercie encore une fois de plus. Donc, je profite de l'occasion. J'avais déjà souhaité la vœu lorsque nous avons tourné le reportage sur la formation. C'était en décembre, en fin d'année. Mais là, je vais renouveler ma vœu pour l'ensemble des effectifs et des collaborateurs à des networks. Donc, on parle ici de nos employés, de nos clients, nos fournisseurs et collaborateurs directs ou indirects. Et aux téléspectateurs qui ont pris le temps de suivre l'émission « Est-ce que ?» tout le long de l'année 2017, et on se rend compte qu'ils restent scotchés sur leur émission d'actualité préférée qui est Est-ce que ? Et en tout cas, on les remercie pour les 45 minutes encore passées devant votre écran à suivre cette émission que nous vous appelons à prendre part, parce que c'est votre mission aussi, c'est l'émission des gens qui ont des entreprises, des gens qui veulent communiquer autour de leur activité. N'hésitez pas à prendre contact pour la promotion de l'émission et de vos entreprises. Merci bien, monsieur Deschagré-Élevé. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Vous l'avez compris, c'était autour des défis à relever en cette période de crise difficile. En tout cas, point n'est besoin de revenir sur les mêmes mots. Ce n'est pas à force de le dire que ça va nous apeurer. La situation, elle, est difficile, mais pas insurmontable. Nous avons essayé de vous la présenter avec la société The Network qui tient à relever ces défis tant bien que mal. Et cela étant dit, nous vous disons encore une fois merci de nous avoir suivis et on prend rendez-vous avec vous au prochain numéro. Ce sera certainement avec un autre invité et pour une autre préoccupation.
toute importante pour vous. Et monsieur le directeur général de The Network, je vous dis encore une fois merci et d'avoir été des nôtres pour ce numéro de SA.